Sébastien, vous venez de nous dire que ce n'est pas la fin du monde, la deuxième place de FaceTime dans le Prix de France. Non, mais le cheval, il n'y a rien à dire, il court super bien. Il a fait une grande course, je pense. Et après, peut-être qu'il a eu besoin de souffler, il s'est mis en route en haut de la montée, m'a dit Bjorn. Quand Bayakedo l'a attaqué, il s'est un peu mis dans les mains. Et après, il est monté peut-être la côte un peu trop vite. Et ensuite, à la fin, il a manqué à 50 mètres du poteau un peu d'air. Mais bon, voilà, c'est pas, y a rien à dire. Ça roulait, les partiels étaient assez ouais, beaux. Mais c'est lui qui a fait la course. Hein. Pour le coup, il nous a fait une Bayakeno, en fait, on va dire. Sauf que, bon, il a été un peu plus loin, mais à la fin, c'est normal. Il est rentré pas fatigué, le cheval. Je pense qu'il restait un petit peu tétanisé pour finir. Quoi. Le compte était bon. C'est trop vite au début. Une fois Davidson au galop en partant, on s'est dit, ça y est, maintenant, c'est une simple formalité. Il va faire ce qu'il va vouloir. Ouais, mais oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu trop bloquer la course. C'est le cheval s'est mis en route, comme je dis, je répète, mais c'est ça. Il aurait peut-être fallu peut-être laisser passer Bayakeno, se mettre derrière lui, derrière elle pendant 200-300 mètres, et après ressortir du dos, parce que je pense qu'il voulait faire un relais. Junior, il n'y a pas. Junior, donc voilà. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est les courses après. Le cheval, je pense qu'il est tellement bien en ce moment qu'il y a un peu trop de gaz. Dans la ligne droite, on s'est dit, ça y est, c'est fait, il était tellement loin, mais c'est vrai qu'il a plafonné pour ouais, finir. Ouais, plafonné 7-8, on peut pas tenir le rythme comme ça, c'est pas possible. Il n'y a aucun cheval qui peut tenir sur le pied de 7-7 ici à Vincennes. Sur une piste plate aux États-Unis, oui, vous pouvez le faire, mais pas à Vincennes avec la montée. Est-ce que ça remet en cause son programme? Non, il fera le prix de sélection, c'est sûr. Après, le prix de Paris, je l'avais engagé, mais c'était pas sûr que je cours. J'aurais couru si, mettons, il avait gagné là, peut-être, mais peut-être, c'est pas sûr. Et donc on va courir le prix de sélection, c'est sûr. Merci Seb. Bon,